Allez, c'est parti pour le let's play, Je suis heureux, enfin, le voilà. Merci pour le micro. Le let's play de Ocarina of Time. Depuis le temps que j'en parlais sur mes anciennes vidéos en disant « Waouh, ce jeu est génial, c'est le plus beau jeu que j'ai joué de toute ma life !» Ben voilà, je vous le fais. Et on va commencer tout de suite, hein. Voilà, que dire de plus, hein. Ce jeu est sorti en 98 sur 64 et a fait un carton monumental sur la 64, qui est une console qui n'a pas carté du tout, d'ailleurs. On peut dire que hein, les jeux GoldenEye et le jeu, surtout Zelda Ocarina of Time, a vraiment sauvé la 64, enfin l'honneur de la 64, parce que voilà, ouais, elle était très mal partie. Voilà quoi, et on va se lancer ben, dans cette sublime aventure, dans ce super let's play. Bon, moi, à chaque fois que je joue, je mets toujours le vrai nom du héros, hein. Et le nom du héros, c'est Link. Je trouve, ah ouais, Link, voilà. Que? Ah d'accord, ok. Image de... Attendez, je vais juste peut-être effacer l'autre, là. Oh, on peut l'effacer, normalement. Non? Je ne sais plus comment il faut faire pour effacer. Ah, effacer. Oh ben non, en retour. Je vais pas l'effacer parce que ça peut toujours servir. Je vais l'effacer. Voilà, moi je mets toujours le nom du héros, hein. Le vrai nom du héros, je veux dire. Je mets Link. Ouais, je sais ta gueule. Fin. C'est parti. Dans l'immense forêt d'Hyrule, les siècles m'ont choisi comme le gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre Mojo. Les coqueries sont mes enfants et sont le peuple de la forêt. Dès la naissance, chaque coquerie reçoit sa fée. J'ai l'impression de raconter une histoire à un enfant. Lol. Bon, en même temps, c'est le cas. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. C'est ballot. T'es ballot. Ça, c'est les visions de Link, hein. Pour ceux qui se demanderaient. Navi, Navi, où es-tu? Viens à moi. Navi, c'est bien sûr la petite fée. Navi, la fée, écoute les paroles du très vénérable arbre Mojo. Sens-tu le danger qui rôde? Cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume. Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Depuis toujours, la forêt de coquerie s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques, assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Misère! Le temps est venu pour ce garçon sans fée de commencer sa quête, ça. Non, son père est séparé, on s'en fout. Ses enfants dont la destinée est de conduire Hyrule dans la voie de la justice et de la vérité. Va, Navi. Trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps. Bonne nuit, bonne nuit. Le destin de la forêt, que dis-je, du monde dépend de toi. Alors maintenant un peu le cul. Wouh, wouh. Voyageons dans les yeux de la vie. Waouh. Bon, je suis content de vous faire ce let's play parce que aussi, voilà, ce let's play, il est vraiment graphiquement, il sera beau. Ce sera pas du 360 ou du 480p, ça sera du 1080p.
Parce que je joue sur émulateur en fait, ouais quoi. C'est pour ça aussi que quand j'irai dans le menu d'objets, ou pour sauvegarder, ça fera bizarre en fait. Bah, vous allez voir de toute façon. Je le ferai après. De toute façon. Elle est arrivée à ma maison, à ma petite cabane. Hey Link, debout maintenant. Le très vénère Armojo veut te parler. Réveille-toi, Link. Oh, tu vas te lever, oui. La destinée d'Hyrule repose-t-elle sur un garçon aussi paresseux? Pourquoi dis-tu ça? Je suis aussi paresseux que lui. Salut, Link. Ah, enfin debout. Moi, c'est Navi, la fée. Le Srevena Arbonjo m'a désigné pour être la partenaire. J'en suis très fier. Enfin, très honoré. Je déteste quand il y a le souffle qui s'abat sur mon micro. C'est... Le Srevena Arbonjo veut te parler. Allons-y tout de suite. Bien. Waouh. Ah, voilà l'ami de Link. Hey, salut Link. Hey, salut Link. Waouh, une fée. Enfin, tu as reçu une fée, Link. Hippie. Quelle bonne nouvelle, je suis si heureuse. Tu es maintenant un vrai Kokiri, Link. Alors, c'est vrai, le très vénère Armojo veut te parler. C'est un véritable... C'est une véritable honneur, enfin, je vais t'attendre ici, va voir le vénère Armojo, je sais. Voilà. Comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il n'y a pas son nom. Cabane de Link. Bon, bah, d'abord, avant d'aller voir... Ouais, c'est bien. Je vais faire ça dans l'ordre, hein. Je vais pas prendre des avances. Oh, puis merde, je vais prendre des avances. En fait, le Srevena Armojo veut te parler. J'ai cru qu'elle allait dire suicide-toi. Bon, on va d'abord parler à l'autre, d'accord. Comme ça, peut-être. Et hey, toi là, monsieur, j'ai pas de fée. Tu veux quoi au vénère Armojo? Sans fée, t'es même pas un vrai Kokiri d'abord. Quoi? Tu as une fée? Comment le vénère Mojo t'a convoqué? Hein? Et pourquoi je suis pas convoqué, moi, le grand Mido? C'est pas juste! Je te crois pas! Je n'ai même pas. Tu n'es même pas équipé! Comment pourrais-je te aider le vénère Mojo sans épée et ni bouclier, hein? Quoi? Ok, mon équipement non plus n'est pas prêt. Mais. Et puis de quoi je me mêle? Et si tu veux passer, équipe-toi d'abord d'une épée et d'un bouclier. Minus. Bon ben on va déjà chercher l'épée. Oh, attendez, mais je suis con, en même temps on va faire un truc. Voilà. Parce que en fait pour avoir le bouclier il faudra des rubis, c'est tout. C'est pour ça que je vais aller dans les maisons récupérer, enfin, dans les cabanes, récupérer des rubis qui sont dans les dans les pots, voilà, quoi. Ouch. Non, tu mises pas, non, non. Putain. Con. Bon, en fait, si vous vous demandez pourquoi je suis dans le coin en haut à droite, c'est parce que je suis puni. Non, c'est plus sérieusement, c'est parce que en fait, je voyais pas où me mettre. Ah merde, il y a le plan, excusez-moi. Quelle tête de mule. Ah ouais, ça, en fait, ça c'est pour s'entraîner, hop, à faire ça. Ah, ta gueule. La gueule.
Arrête Link. Oh, je savais pas qu'on pouvait gagner des Kirby. On va faire bref. Comment on fait pour quitter Merci. Voilà, voilà. Voilà, merci. Alors, rentrons dans ce passage secret. Ok, yo, pas nickel. Le premier gros coffre s'ouvre dans ce jeu. Ça, vous allez l'entendre souvent, je vous préviens. Alors, cette lame est le trésor secret de la tribu Kokori. Je crois qu'il y a écrit de toute façon ici. Venez voir les fabuleux frères, je sais tout. Et vos questions ne resteront plus sans réponse. Ah oui, merde, là je vais m'équiper, voilà. Vous voyez, ça fait noir blanc. Là je vais m'équiper de l'épée, hop. Et voilà. Non, et voilà, et voilà. Sauvegarder. Et voilà, j'ai mon arme. Oh. Et le bouclier, je crois qu'il coûte je sais plus combien il coûte en fait le bouclier. Je crois qu'il coûte 40 rubis, ça fait quand même. Faire la récolte. Bah, vous avez sûrement aussi remarqué que j'ai changé la photo de profil le papier peint de ma chaîne YouTube. Maintenant, ça déchire. Maintenant, c'est une vraie chaîne YouTube. Non, mais voilà quoi. Ouais, quoi. Maintenant, on peut dire que ouais, je suis fier de mon boulot. Bon, de toute façon, il y a un rubis là. Ah bah y'en a un aussi en haut. Merde, y'a avec des cœurs ici, putain. Chaise. On peut pas le péter celui-là parce qu'il est... Faut grave de pas se casser la gueule parce qu'en fait Link il est assez nerveux comme mec. Ça fait qu'on peut vite se casser la gueule. Quand on est ouais. Le petit bout de chou. Non, je vais parler. Tu es arrivé jusqu'ici tout seul. Comme un grand. T'es un homme, un vrai, de vrai. Ouais. Regarde. Quoi? Belle vue, non? Tu peux. Ah ouais, je sais. Comme ça là. Waouh. Waouh. Wow. Les blondes aux yeux bleus. Il me faut encore 5 rubis, je crois. Ah ouais, je peux pas le péter. Il me faut encore 5 rubis. Et je serais prêt à avoir l'arme. Ah oui, c'est vrai que je peux pas utiliser. En fait, on peut pas utiliser son épée quand on est dans des lieux comme ça, en fait. Nickel. Suis-moi. Ma sœur est partie faire des emplettes à la boutique au toit rouge.
fait, un rubis vert ne vaut qu'un rubis, mais un rubis bleu en vaut 5 et un rouge en vaut 20. Merci pour l'info. La maison avec le toit rouge, je crois que c'est une maison dans... qui est dans le village des Cocoris. Des Cocoris. Dans le village... Ah ben non, c'est ça, je suis con. Là. C'est elle, en fait, sa sœur. Salut, Link. Regarde par là. Regarde-moi. Allez. Non. Je sais déjà comment faire. Bienvenue. Merci. Alors, combien ça coûte? 40 rubis. Bon, bien avoir plus que passé. Acheter. En fait, il y a des phrases que, comme ça, quand ils vous expliquent, on peut pas les passer rapidement, mais sinon, il y a des phrases de certaines personnes, on peut vite les passer, mais là, non. Ouais, j'en veux encore, on va voir. Non, quittez. Ouais. Ce que propose cette boutique se trouve dans la forêt. Tu sais comment ça s'utilise, un bouclier, Mojo, hein? Tu le sais? Une fois... Non, non, c'est bon, je sais. Mon Dieu. Voilà, t'es content? Bouclier. Le bouclier est... Ouais. Tu veux voir le vénère Mojo, il te faut un bouclier, blablabla. Hein? C'est quoi ça? Oh, tu as un bouclier? Eh ouais. Et puis, c'est quoi ça? Mais c'est l'épée de Cocori. Blesse ça alors. Enfin, même avec tout ça, une mauviette est toujours une mauviette. Ouais, le gros Mido, je ne t'accepterai jamais comme un... Et puis d'abord, comment t'as fait pour être le chouchou de Saria? Saria, c'est elle qui est venue tout au début me voir quand je suis sorti de chez moi là. Et du m'énerve. Ah bon, tu vois, ça fait comment Saria ça? Pouf! Dégage, merci. Là, je crois qu'il y aura des trucs là. Nos premiers ennemis du jeu. En fait, si on les tue comme ça, on ramasse des bâtons Mojo. Ouais. Qui nous permet en fait de transporter le feu en fait. Ou de taper des ennemis. Hop. Vénérable Arbre Mojo, je suis de retour. Ouais. Il y aura de la chat là. Oh Navi, enfin, te voici. Link, sois le bienvenu. Écoute bien, jeune enfant. Moi, l'Arbre Mojo. De par mes sages paroles, je vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil depuis plusieurs lunes est tourmenté par d'épuisants songes et de terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde par le... Et toi aussi, jeune, tu as ressenti cette infamie. Link, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Cette noble? Ouais, bah ouais, vas-y. Ah mais c'est bon, on m'avait pas prévenu que je devais aller dans la gueule d'un arbre pour lui laver les dents. Non mais allô, Navi, la fée, tu aideras Link de ton mieux. Et toi Link, quand Navi désirera te parler, je sais. Je sais. Oui, on va rentrer dans la bouche d'un gros chêne. Waouh. Et c'est le premier temple qu'on va se taper. Arbre Mojo. Ça fait penser un peu, vous savez, Mojo, le mot Mojo au film Austin Powers 2. Tu me refais encore une fois ça, Link, je te jure, je te casse. Et fais pas le malin. Oh! Peut-être. Il est dangereux, Link! Coup de boule. Oh, je vais. Waouh.
Ouais, c'est bon, t'inquiète. Putain, je m'étais même pas protégé, ça. Voilà, c'est bon, hop.